I suppose I've only really spent sort of holiday and break times in France, but I suppose there seems to be a more coherent set of values in French culture than there is, you know, if you ask any British person what British values are, generally people can't answer that question. I suspect that if you were to ask anybody French what the values were of the French state, they probably would be able to answer that question. Okay. Est-ce que la France a une culture de la paix? Non, je pense pas, parce que par exemple, on fête le 14 juillet. Le 14 juillet, c'est quand même un jour historique où il y a eu beaucoup de violence. On pourrait fêter le 26 août 1789, ce serait plus judicieux parce que c'est le jour où on a aboli les privilèges. On se rend compte par exemple aujourd'hui qu'on est dans une société où il y a beaucoup de privilèges, fiscaux par exemple, dont on ne parle pas, et que la société dans laquelle nous vivons est une société de privilégiés comme la société de l'Ancien Régime était une société de privilégiés. Donc... répétez-moi votre question. Vous pensez que la France a-t-elle une culture de la paix? Non, je pense pas. Je pense que la culture de la paix, c'est quelque chose qui se cultive individuellement. C'est le propre de certains hommes, de certaines femmes. C'est une faculté intellectuelle. Pouvoir se recueillir en soi pour trouver la paix, déjà en soi-même, pour pouvoir faire la paix avec les autres. Très bonne question. Et je pense que, à l'inverse, la France a la culture de la communication. Du coup, la France communique sur la paix. Alors que la France a plutôt une culture de la guerre. La France est un des 5 pays à l'ONU les plus puissants. On a l'arme nucléaire, on a une très grande armée, même comparée aux autres pays européens, par exemple à l'Allemagne. Et du coup, on a vraiment en fait, une habitude de guerre. Notamment, là en ce moment, on est en guerre en Afrique. On a tout le temps plus ou moins dominé un bout du monde. Donc je pense qu'au contraire, la France a plutôt une culture de la guerre, mais qu'on arrive à chaque fois du coup que la guerre se finit, à dire regardez, en fait, on a mis la paix et on a mis la démocratie, alors que finalement, on a plutôt contrôlé un endroit. Et du coup, quand t'as tué tes adversaires, il y avait forcément la paix. Et finalement, je suis pas sûr qu'on puisse dire que la France soit un grand pays de paix. D'accord.